l'idée, c'était de dire que l'acteur peut être une force de proposition dans l'écriture d'une fiction. Ce qui se fait beaucoup dans le spectacle vivant, on peut se permettre de réunir pendant un mois et demi, des acteurs, faire une résidence d'écriture, et qu'un auteur écrive à partir des propositions des acteurs une proposition dramaturgique. Alors, tu viens ou tu viens pas? J'ai peur. J'ai peur de quoi? Peur que quelqu'un puisse savoir. Peur que quelqu'un puisse savoir. Mais personne ne va savoir, comment. Mais personne ne va savoir comment. Premier jour. Alors, ça va, moi, je suis sûre cette fois. Ok, ouvrez les yeux. Encore, et le bat. Alors, tu viens ou tu viens pas? J'ai peur. Peur de quoi? Peur que quelqu'un puisse savoir. Je pense que j'ai vraiment joué le jeu d'arriver vierge de toute histoire, de tout scénario. J'ai attaqué l'atelier avec quelques idées. J'ai envie de faire un film plutôt chorégraphique, plutôt avec beaucoup de mouvements, beaucoup de gens qui se croisent. Je veux essayer de faire un film, je vous mets le mot entre guillemets, mais chorale, quoi. C'est-à-dire, plutôt que d'être avec le premier, deuxième rôle, les trois premiers rôles, puis les trois seconds rôles, puis les trois troisièmes rôles, on va essayer de faire en sorte que tout ça s'équilibre. Moi, en fait, j'ai pas une grande habitude de l'image, de la caméra, même si j'ai fait un tournage, mais pas comme comédien, comme danseur. En fait, moi, je suis un peu entre la danse et le théâtre, souvent. Mais vraiment plus du côté du coup du spectacle vivant. Moi c'est Diane Regnault, j'ai 32 ans et je suis comédienne et j'écris aussi. Un petit peu, j'essaie. Et j'ai fait beaucoup plus de théâtre que de cinéma. J'ai même pas fait du tout de cinéma. L'improvisation, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours épaté. On m'a toujours dit, tiens, les comédiens adorent travailler en improvisation, c'est la base du travail de comédien. Moi, chaque fois que j'ai essayé, même en cinéma, finalement, de faire travailler les comédiens en improvisation, mais de le faire travailler sur une base, c'est-à-dire il y avait déjà un scénario écrit et tout ça. Une fois dans l'ornière, j'ai trouvé que non, ça n'arrivait pas à dégager. Donc finalement, moi, je suis assez ravi de partir un peu sur ces bases-là et à partir d'un peu rien du tout, quoi, voilà. Enfin, à partir d'un rien du tout. Je vous ai quand même un peu donné quelques pistes. Je ne sais pas si ça suffit. J'ai un peu envie de voir ce que ça va donner, quoi, d'éprouver ça, quoi, de partir un peu sur de vous mettre. Alors, j'ai vachement eu une bonne idée de choisir 9 personnes, parce que je voudrais vous mettre 2 par 2 dans un premier temps. Tu sais ce qui me ferait plaisir, hein? Non, je sais pas. Ça serait une gifle. Mais t'es malade, ça va pas la tête. Tu veux vraiment que je te gifle? Ouais. Non, tu vas déjà t'es dans la reformulation. Ah oui, mais ouais. Te marre pas. Essaye d'être pas ce registre dramatique, voilà. Non, le plateau, c'est en fait, le plateau, on livre que des trucs, ça devient très théâtral. Le plateau, c'est quand même, ça plombe, hein, un plateau, déjà, il n'est pas petit, ce plateau. Et je me disais, mais c'est marrant, on est vraiment, finalement, il faisait vachement du café-théâtre, quoi, je trouvais, quoi. Il y avait beaucoup, et j'avais vachement de mal à les sortir du café-théâtre. J'avais vachement de mal à les sortir du registre comique, auquel je pense que c'est un peu normal. Et puis, je pense que ça vaut même pour moi aussi. Je me suis beaucoup plus complu dans le registre comique, parce qu'effectivement, on cherche. Ça permet d'avoir l'adhésion du public assez rapidement aussi, quoi. On est comme ça, je crois que c'était le duo quand je suis allé boire un café. Bonjour. Bah, j'entendais vaguement des gars parler de ça. Vous n'êtes pas au courant de la... On parlait qu'il y avait éventuellement eu un meurtre il y a 2 jours. Non, c'est qui? Bah justement, c'est pas... Il y a une histoire un peu comme ça. Ah ouais? Mais là, ici... Il n'y a pas longtemps, oui, il y a 2-3 jours. Mais ici? Oui, dans le quartier. Ouais.
Non, je sais pas. On m'a dit que c'était une jeune femme et on parlait d'un meurtre, coup de couteau, enfin voilà, un truc assez ignoble. Mais pas loin. Une jeune femme aux mœurs légères. Vous avez vu qu'il vous dit ça comme ça? Une jeune femme aux mœurs légères. Mais ça veut rien dire. J'en ai déduit. C'est tout. J'en ai déduit. Comment ça, est-ce que vous en avez déduit? Ça veut rien dire, en mœurs légères, ça veut dire quoi? Pas comme nous, quoi. Vous en savez rien. Comme nous? Ouais, bah, enfin, on voit bien. On voit bien quoi? C'est pas parce que vous n'êtes pas plus sexuel que vous êtes tout de suite. Excusez-moi, mais... Bon, allez, on s'arrête. Vous allez me faire le plaisir, tous, les fioritures, vous arrêtez tout ça, quoi. C'est-à-dire... manger, jouer en bouffant des gâteaux. Pour... Alors, si vous mangez, vous parlez pas, quoi. Vous laissez ceux qui ne mangent pas parler. Le téléphone aussi, moi, j'en veux plus. C'est des trucs, ça ne sait. Enfin, on va essayer de le mettre en scène. Les arrivées par l'arrière, à part se montrer au public, je vois pas trop à quoi ça sert. Normalement, on peut très bien arriver comme ça, de manière à être visible et s'approcher tranquillement du cercle. De manière à faire un cercle, c'est comme ça qu'on discute, quoi, il me semble. Alors, et pas de chevauchement de paroles. Vous faites des castings de cinéma, quoi. C'est vrai qu'on cherche souvent des gens qui sont à même d'être super épurés dans le jeu, quoi. Pour moi, ça a été très progressif. Le travail a été très progressif. On a commencé à travailler d'abord sur le plateau, avec notre bagage de comédien de théâtre. Avec la voix, l'espace, etc., le regard, la conscience du public. Et puis petit à petit, Alain a commencé à poser la caméra. Et pour ma part, petit à petit, je me suis rendu compte de la présence de la caméra. Et du coup, après tout ce qui est jeu de théâtre assez expressif, petit à petit devenu de plus en plus petit jusqu'à se nicher à l'intérieur. C'est bon, tu es prête, Audrey? Ouais. Ça fait 10 ans que je suis partie. Je te ressemble. Même, j'aimerais bien quelque chose de plus long, même sans me prendre appui sur l'écriture. Ouais. Même si, tu vois, c'est-à-dire, mais la forme la forme de la lettre, moi, me plaît bien, quoi. L'idée de, tu vois, mais que tu me le fasses un peu plein de poire, maman, voilà. Et quelque chose. Les hésitations, je trouve ça même très bien. Hein. C'est pas les hésitations que je critique, le fait que tu sais pas comment commencer ta lettre, mais que j'aimerais en avoir un peu plus, quoi. Non, mais t'es pas prête, mais on y va. Voilà. D'accord. Alors. Grosso modo, c'est ça. Donc, silence, s'il vous plaît. Maman, j'aimerais te revoir. Ça fait... Maman, j'aimerais te revoir. Ça fait 15 ans que je suis partie. Tu m'as laissé partir. Maman, ça fait 15 ans. Non, maman. J'aimerais te revoir. Ça fait 15 ans que je suis partie. Tu m'as laissé partir. Tu m'as laissé partir comme ça. Tu m'as laissé partir comme ça. Je t'ai croisé l'autre jour et tu m'as même pas vu. Tu m'as même pas reconnu. Pourtant, on se ressemble. Hein. Ah, excusez-moi. Il y a moyen de tomber vachement la lumière, là, ici. Même peut-être de l'éteindre, même. Thank you.
Ça m'a plu. J'ai une âme morte. J'ai une sensation de... grand bruit, puis de... beaucoup de vacarme. Puis après, plus rien. Un grand calme. J'ai envie de recommencer. Maintenant là. Hein. Non, et ça c'est votre fin alors. Ah, je sais pas. Ah, d'accord. Bon, alors. Bon, je pense, vous pouvez repenser votre trilogie. Avec un début. Normalement là c'était la fin quand même. Je sais pas, tout le monde a pensé à la... que c'était la fin. Ouais. Ouais, d'accord. Bon, okay. Oui, c'est la fin. Ça, c'est la fin, c'est voilà. D'accord. Donc, je pense qu'il pensait à la conclure quoi. La enfin, au moins une sortie du champ, au moins. Oh là, hein. Ah, puis la lumière de cette salle est super belle, hein, je trouve. Ah. Mais là, c'était mieux le fait qu'on discute pas ensemble, quoi. Où chacun est de ce truc, où, ouais. Où ils sont chacun dans leur... Peut-être moi aussi je joue au cœur. Ouais, c'est hyper bien. Bah, Non, moi je suis trop bavard, faut que j'arrête de parler. Mais t'as parlé moins que tout à l'heure. Moi je vous ai vachement, j'ai vachement pris un gros plan, j'ai vachement serré sur vous. Au théâtre, il faut vraiment avoir des techniques énormes. Les bras doivent être parfois grands, les visages verts parfois. Il faut vraiment la voix, elle doit partir vraiment beaucoup plus fort parfois. Et à la télé, il faut se contrôler. Donc, il faut, bon voilà, si j'ai fait trop ça, ça apparaît beaucoup. Si je ferme trop les yeux, si j'ouvre trop la bouche, c'est juste à ouvrir la bouche, tu vois déjà le fond de gorge parfois. Donc, c'est une manière beaucoup plus, il faut se contenir beaucoup plus. Et en même temps, il faut chercher cette liberté. Bon, il faut me contenir, mais je ne peux pas laisser mon bras sans rien faire. Tu peux pas. Donc, la question, c'est de réapprendre à utiliser son corps pour que les choses viennent à service d'eux et pas plus. Allez, ça tourne. Ah, il n'y a plus de papier. Ah. Ben, tiens. Ça va, ça? Non. J'ai que ça. Il n'y a pas de papier. Non, je ne peux pas faire pipi. Ah bon? Moi, je me lave les mains quand même. Ouais, vas-y. Désolée. Toi, tu es venu avec Fred, non? Ouais. Et c'est qui le grand gars, là? Il y a un grand gars. Je sais pas. Putain, j'ai fumé un peu sur son pet. Ouais. Moi, j'ai un peu bu. Tu veux un peu? Ouais. Merci. Fais, attends, tu vois, toi. C'est bon? Mais je t'ai déjà vu, je crois. Ah ouais? Mais ouais. Mais si, si. Ah bah je crois ici, non? Mais si, mais si, t'es jamais venu ici? C'est une blague. Non, non, c'est pas une blague. Non, non. Si. C'est vrai? Ouais. Putain, tu as les yeux vachement rouges. Ouais, toi aussi. Non, c'est vrai? Non, ouais. Ouais. Fais-moi. Pardon, je peux regarder? Tu vois? Putain, tu as les yeux très rouges, hein. Tu vois? Bah moi, j'ai les yeux rouges. Ouais. C'est vrai? Celui-là, il est rouge, celui-là? Et toi? Et c'est celui-là. Fais voir. Attends, arrête. Fais voir. Je peux regarder? Ouais, vas-y. Je regarde bien. Ouais. Ouais. Et avec Audrey, on avait décidé de faire une scène où on impliquait le corps. Et où on impliquait aussi une... pas une perspective, une diagonale, enfin, je sais pas comment on dit. Mais en tout cas, une distance. En tout cas, à parcourir qui était un peu plus long que les limites du plateau ou que les limites d'un escalier ou des WC ou de notre couloir. Mais c'est un peu tournant. Où tu vas? Allez, viens. Viens.
Décidément, tu veux une fille. Ouais. Écoute, dis n'importe quoi. On a d'autres choses à faire avant. On filme maintenant. Et où ça? Là, maintenant, ici, tout de suite. Bon, écoute. J'ai pas le temps. T'es con. Je suis con? Ouais. Ok, ciao. Allez, j'ai envie. Envie de quoi? D'un enfant, maintenant. Pour toi. Je vais t'attraper. Vite. Coupé. Vous vous croisez là, vous pouvez vous suivre, vous chercher, vous fuir, vous draguer, vous toucher, vous agresser, sachant que ben, vous fonctionnez un peu en entonnoir, quoi. Hein. Les fauteuils, non, ça m'intéresse pas autant. C'est vraiment le déplacement. Voilà, déplacement, vous vous croisez, vous. C'était clair que les derniers jours, les deux derniers jours, on était plein dedans à l'Anguirre. On avait vraiment des rencontres de comédiens qui partent un peu à droite, à gauche, dialogues courts et des choses qui vont vraiment à l'intérieur, des choses vraiment profondes. Et c'était vraiment très intéressant. Et que, comment il est arrivé à amener ces comédiens-là? Allez, quelqu'un là ?